Bonjour, Bonsoir. aujourd'hui j'aimerais que nous discutions tranquillement. J'aime Jésus. C'est qui? Celui qui va nous sauver après cette vidéo. Les problèmes! Les problèmes. Les problèmes. Les problèmes. On a eu une idée d'une nouvelle tier list. C'est peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue. Pas pour se faire des amis, quoi. Voilà, tout est dans le nom. Voilà. Voilà. Bon, on va faire la tier list des youtubeurs français. Minecraft. Minecraft. Français, mais autres, francophones. On a les best. On a les j'aime bien. On aura les sympas. On aura les bofs. On aura les nuls. Et après, il est disparu. Et il est disparu. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Parce que on y va. Et on commence avec Poppy Games. Alors, bon, ben, je crois qu'on va. Disparu. Commencer. Disparu, hein, il est pas. À l'époque, c'était cool, mais ouais, elle est morte cool, maintenant. Mais sur YouTube, du disparu, moins. Hein. Voilà, bon, déjà, ça va, ça commence doucement. On est pas méchant. C'est juste que, bon, elle a totalement disparu du game. Fukano. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Moi, j'apprécie ce qu'il propose. Moi, je l'aime assez sympa, tu vois, parce que. Il est très fort en PvP. Je regarde pas trop, mais. Ouais. Mais. Wesh. Bah, mets-le, j'aime bien, vas-y. Non, c'est sympa. C'est sympa, ok. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Oh, Bob Lennon. Bon, alors, allez. Suivant, The Guild. J'aime bien. Toi, t'aimes bien. Moi aussi. Moi, j'aime bien la manière dont il monte ses vidéos, surtout. J'aime bien comment il retransmet toutes ses parties. Il a une énergie quand il fait une vidéo. C'est indescriptible. C'est incroyable. T'as l'impression de revivre Minecraft à travers ses vidéos. Ouais, moi, c'est un j'aime bien. Il manque encore peut-être un petit peu. Mais franchement, il est incroyable. ML2G. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Sympa, c'est un bon délire, je trouve, ses vidéos. Ouais, il est sympa. Et puis, il a une bonne complicité avec Royan Sama, notamment. C'est toujours plaisant à regarder. Brioche, j'aime bien. Super Brioche. Ben, moi, j'ai pas trop regardé. J'étais pas trop branché Super Brioche. Récemment, Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bah, tu peux le mettre en C'est sympa parce qu'honnêtement, il y a du taf et tout derrière. Et puis, ouais. Il est quand même assez intéressant. Alors, oh, Unstar Bleacher. Ah ouais, disparu. Disparu, mais il était drôle, tellement drôle, mais ouais, pareil, il a disparu, c'est abusé. Dark Even, donc AZN et Dark Even, eux, ils sont trop drôles, je trouve. Ils sont vachement drôles, sympa, je dirais. Ouais. Sympa parce qu'ils faisaient des maps, c'était genre, ils faisaient beaucoup de maps à l'époque, et c'était archi drôle, franchement. Zephyr, bon. Disparu, hein. Franchement. Ah, je suis désolé, Zephyr. Franchement, s'il était encore là, ce serait les bests. Il est incroyablement bon, ce gars. C'est grâce à lui que j'ai appris la redstone sur Minecraft. Pour dire, j'ai commencé par lui, mais il est parti. Hein. Fuse, allez, bof, moi, très honnêtement. Moi, franchement, c'est encore plus bas que ça. Ah ouais, non, mais je peux pas. En fait, c'est du putaclic au niveau. En fait, tu archi vois, le problème, c'est que vu tout ce qu'il y a après, il y en a certains, je pense qu'ils vont prendre tarif, tu vois. Donc, moi, je le mets en bof parce que ça bof. Reste quand même regardable. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin des de discuter, hein. Tu découvres Minecraft, c'est avec lui tu découvres Minecraft, point. Bon alors, le suivant, bon, c'est okay. En dessous de bon, Fuse. Tu vois, c'est pour ça. Ok, c'est vrai, effectivement, j'avoue. Je suis désolé, mais il y a un moment, c'est... Tu vois, entre les deux, tu préfères regarder lequel, du coup? Bon, Fuse, du coup. Voilà, mais... tu vois. Ouais, non, là, franchement, faut arrêter. Franchement, il y a des limites. Lib, c'est sympa. C'est sympa. Franchement, ce qu'il fait, ce qu'il propose, il y a un peu moins de travail sur YouTube, je trouve, mais... Il a son truc et Stellario sans lui ça tient pas debout donc bon le suivant. Allez, alors ça part sur les best évidemment, le meilleur youtubeur belge Minecraft, mais t'apprends à build, t'apprends aussi de la redstone, tu suis un mec qui est incroyablement bon au fond de lui-même et passionné. Et passionné, il est incroyable ce gars, franchement. Aurélien Sama, un bijou. As de pique, j'aime bien, moi c'est sympa, bien, ouais, c'est sympa, ouais. J'aime bien, c'est sympa. Ah, non, je sais pas. Je rigole beaucoup sur ces. Sur ouais, ces pareil. Tu vois, je dirais j'aime bien parce que. Mais on juge que le côté Minecraft ou. Bah, c'est par Minecraft que tu. Ouais, tu, bah, j'aime bien du moi, coup. Moi, j'aime bien personnellement. Ouais. Jimmy Boy, je connais sympa. Pas. Moi, c'est sympa, je le trouve très drôle sa complicité avec. Quand il est avec Aipierre sur Minecraft, c'est des délires, c'est des anecdotes à tout va, c'est un régal. Ok. Un régal. Ika, bah, pareil que Jimmy. C'est sympa. Boy, pour moi c'est la même chose que Jimmy. Bon, Roi Louis. Ouais, Roi Louis, j'aime bien. Les bests. Elle est best quand même. Ouais. Après, c'est vrai qu'il a son truc, mais je trouve qu'il manque un peu de pêche sur YouTube, tu vois. Genre, ouais, c'est pas de son temps en même temps, tu vois. Ouais. Donc. Mais bon, t'as raison, c'est quand même les best. C'est quelqu'un qui
Il a investi, tu vois, dans ce qu'il fait quand même. Ouais, il est humain. Vrai. Thierry Lafranc, disparu. Sais, disparu, mais. Si on devait le mettre quelque part. Ouais, sympa, tu vois, je l'aurais mis dans ce sympa. Ouais, pareil, sympa. Parce que... Il était bon délire, mais. Il a disparu, ouais. Malheureusement, donc désolé, Harry. Aznet a disparu aussi, mais ouais. En fait, il est pas vraiment disparu, parce qu'il est toujours là dans le fond. Il travaille énormément pour Harry Pierre, en background. Hein. C'est lui qui a fait tous les plugins de KTP et tout ça. Donc en vrai, le mec est incroyablement, mais. Incroyable, ouais. Mais. Disparu quoi. Ouais, je connais pas. C'est sympa. C'est sympa. Ça se regarde comme un One Kill Studio quoi. Ah ouais, non, c'est... Je, franchement, j'irai voir, il y a moyen que j'aille voir. Alors Siphano, fut un temps, c'était vraiment bien. Ouais. Après, j'ai pas trop grandi moi avec ça, donc je vais plus te laisser parler parce que j'ai pas la co-op type, tout ça. Bah, en fait, le truc c'est que, genre, pendant longtemps, il était entre les deux, tu vois. Ouais. Il fait partie des mêmes vieux que ceux-là, tu vois. Puis en fait, au fur et à mesure, il y a eu tous les dramas et les changements d'équipe et tout. Donc, pour moi, tu vois, Siphano, ça reste sympa ouais. Mais tu vois, ça, c'est au même niveau que Fuse, tu vois. Ça, ouais, je peux comprendre, okay. Tu vois. Moi je sais pas, j'arrive pas à avoir un disons, avis sur disons qu'en fait donc, disons qu'en fait Siphano, j'aime bien quand il fait des let's play, tu vois, ou des trucs où il y a pas de PVP. Ouais. Parce que je trouve qu'il est plus nature, il se prend moins la tête que quand il y a du PVP, ça devient un peu n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Même ça. Alors, moi je mettrais bof parce que j'arrive pas à accrocher au gars, franchement il est très spécial, j'aime pas ce qu'il fait. C'était tryhard sur tryhard et moi j'aime pas trop ce côté tryhard sur tryhard, proposer que des vidéos tryhard. Moi c'est un bof. Après ça se regarde mais tu vois c'est pas un truc sur lequel je vais m'attarder. Ouais voilà, c'est compliqué on va dire. Et de Rock. C'est sympa. C'est sympa, franchement bon délire, il fait de très bonnes vidéos donc voilà. IP Forte. Je sais même pas s'il fait encore des vidéos. IP Forte je crois qu'il a un peu disparu mais il est revenu un peu franchement donc je dirais que c'est sympa. Ouais. Parce que bon délire quoi, c'est quelqu'un qui a... Bon il est là quoi, il est présent. Gilles. Ah moi, moi c'est... Tu vois c'est comme Siphano. Ah ouais. C'est sympa, mais ça risque de tirer vers le bof, tu vois. J'ai un peu de mal avec Frigia, je sais pas. Franchement, tout l'univers, comme team, tout ça, j'ai beaucoup de mal avec les gens de cette orga, mais tu dirais que c'est sympa. C'est sympa. D'accord. Mais comme j'ai dit, comme pour Siphano, des fois, tu vois, ça c'est borderline, quoi. Ouais. C'est vraiment sur le fil du rasoir, quoi. Magic Nup, moi j'ai découvert Magic Nup et j'aime bien ça. Ouais, ça va. Je dirais que c'est sympa. Pas encore j'aime bien, mais c'est sympa. Bah, le gars est sympathique, les montages sont bien, tu vois, donc... Apollo. Apollo. Ah, oh, c'est le best. Apollo. Apollo. Apollo, c'est le... Salut à tous, c'est Apollo. C'est le youtubeur Minecraft québécois légendaire. Y a pas mieux que lui, franchement. Y a pas mieux. Qui fut un temps s'appelait... En espagnol, El Coronés. El Coronés. Fuck. Merde. Azul. Bleu. Azul, oui, c'est ça. Bill Silverlight. J'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien parce que. Il y a un truc. Il a du talent. C'est sa voix, moi, que j'aime bien. Ouais, énorme sa voix. Monkey Studio. Oh, j'aime bien. Moi, c'est les best. Les best en fait, ouais. Ils ont débarqué là récemment dans Minecraft. Ils sont, mais hilarants. Chaque fois que je regarde leur highlight, leur diff, c'est mais juste mais à mourir de rire. Ouais. Ils sont incroyablement bons dans tout ce qu'ils font. Je dirais c'est les best. Après, je sais pas toi. Ouais, si, allez. Ah, okay. Allez, je concède. Banano. C'est sympa. C'est sympa. Et le gars est pas méchant, il est drôle. Franchement, dans la catégorie, c'est sympa. C'est vraiment, on va passer un bon moment. Ça va pas être, peut-être, on va pas regarder la vidéo dès qu'elle va sortir. Mais il y en a certaines où on va prendre un bon délire et certaines borderline. Voilà. Un peu. Twist Jumper. Ah, bof. Ah ouais, bof. Tu vois, je voudrais bien le mettre en C sympa, mais. Je sais pas. Ouais. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui disent. Tu vois, c'est comme Fuse. Bien, mais... Tu vois, c'est comme Fuse. Ouais. Ils sont sympas, tu vois, ils sont sympathiques, mais. Le contenu. Le... Comment ça a amené en fait. C'est. Putaclic. Bof. Je dirais bof. Mais je dirais pas nul, tu vois. Non, non, parce mais qu'ils bof, sont sympas et tout, mais. Ça va, mais. Oh, Matox, moi c'est sympa. Ouais. Bon, après, il a quand même. Bah, il est fort, il est tellement fort au PVP et t'apporte un truc. Je dirais que c'est sympa. Alors, ouais, c'est... pareil. Ouais, il pareil. A pas trop percé, mais j'aime bien ce qu'il fait. Franchement, ça va. Gep, ah bah, monstre au PVP. Mais tu sais, c'est pas comme Nems, tu vois, c'est pas un monstre au PVP et tu fais que ça. C'est Gep, il y a quand même un personnage derrière qui est assez incroyable. Je dirais que c'est sympa pour ma part. Je suis d'accord. Ouais, c'est sympa. Oxylac. Ouais.
Bah, c'est le pote à Furious Jumper, donc c'est le même style, quoi. Donc c'est un buff. Ok. Les prochains non plus, genre, je crois que c'est Jacob Team. Typiquement, tu vois, par exemple, il a fait une vidéo genre oh my god, je jouais à Itel. Et en fait, c'est juste, il joue à Minecraft sur un mode qui réplique à Itel, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un buff. Ça, je connais pas, mais je sais pas. Jacob Team, non ? Disparu. Disparu ? Ouais. Ah, il a arrêté. Je sais pas, je connais pas. Donc, d'accord, c'était bien. Là non plus, je connais pas. Coleman, c'est pareil. Disparu ? Ouais. Ah putain, je suis d'accord, ils disparu tes trucs. Alors en fait, Zelvac à l'époque c'était sympa, ouais. Tu vois, puis bon, après il a arrêté pour ses raisons. Coleman c'était sympa aussi, il a arrêté, voilà. D'accord. Voilà. Les deux derniers, je les connais pas moi. Ouais, donc celui-là, c'est là, pour le coup, c'est moi. Toy, il faisait partie un petit peu de la Dolly Cube, donc c'était dans le groupe d'Aurélien Sama et tout. Moi je trouve que c'est sympa ce qu'il faisait, mais bah, il a disparu, hein. Il a fini sous la douche, comme beaucoup le disent sur internet. Donc, au revoir, désolé. Bon retour quand tu reviendras. Le dernier c'est Ninjax, je l'ai découvert très récemment. C'est avec la série RL Craft que j'ai découvert, mais il est énorme. Ce youtubeur, j'adore, je trouve qu'il apporte beaucoup de choses, beaucoup de changements, un petit peu ce qu'on manque, enfin un petit peu ce par quoi on a commencé par regarder Minecraft, les délires sur le jeu et tout, et je trouve qu'il apporte beaucoup de ça. Donc moi c'est carrément j'aime bien, parce que il va bien évoluer, je trouve qu'il a vraiment... Il est incroyable ce mec. S'il y en a que vous connaissez, on vous laisse le... Ouais. Bon, on sait qu'il y a GusDX ici, mais on sait même pas ce qu'il fout là. J'avoue. Voilà, parce qu'un chasseur de fantômes, bon... Ouais, il n'y a pas de fantômes. Ah si, il y a des fantômes maintenant sur Minecraft. Ouais. Les vieilles bêtes en l'air. Ouais. Évidemment, n'hésitez pas à donner vos notes sur les commentaires et à dire si vous connaissez les gens du bas, parce que nous, on les connaît pas. Et allez noter éventuellement également. En attendant, c'est ici que nous, on va vous laisser. Évidemment, on va se faire détruire par la communauté. Ça va. On a descendu qui ? Bon, Agent GB, bon. Ah. J'ai envie de dire, on suit la moyenne, quoi. Bon, ça va. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre tier list, avec vos préférences, etc. Vous avez peut-être d'autres catégories à nous proposer. Puis peut-être que nous, ce qu'on a mis en bof, vous l'aimez bien. Voilà, on vous juge pas. Hein. C'est que nous, on n'est pas réceptif. Voilà, c'est. On n'est pas le public. C'est pas nous. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, c'est très important pour être notifié des prochaines vidéos. Et il y a beaucoup de vidéos en duo. Là, je commence à refaire des vidéos en duo, ça part en couille. Ouais, mais moi, si ça m'allait bien, en fait, que tu donner lui de l'argent, comme ça, il arrête de me casser les couilles. Hein. Vraiment, allez sur son YouTube, là. Sur ce, portez-vous bien, c'était Captain Marvelous et Evan. Abonnez-vous. Gros bisous. Ciao.